Eh bien salut à tous, c'est Félix Thomas pour Brains.fr et je suis avec le cardboard de Tiny Deal, donc celui qui est disponible à 12,50€ actuellement. Et on est là pour un tutoriel pour comment le monter. Donc je l'ai monté une fois, je vais le démonter et on va le remonter ensemble. Voilà, donc ça se présente comme ça, vous ne voyez pas tout. Désolé, donc ça va comme ça, hop, 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 jusque là. Ici, vous avez ça pour les yeux. On a cette petite languette ici pour le nez, un élastique. Vous avez les scratchs que moi j'ai déjà collés. Bon, vous devrez le faire après. Si vous ne l'avez pas encore monté, bon, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous ne l'avez pas encore fait. J'ai mes autres scratchs qui sont collés de l'autre côté, je ne sais plus où. Derrière ici. Tac. Voilà. Alors, comment on fait? Alors d'abord, ce que vous allez faire, on va prendre cette partie-là pour les yeux. Donc c'est la partie qui va coincer les lentilles, qui vont servir à zoomer sur l'écran. Donc les lentilles, on va les prendre là. Donc ça, vous l'ouvrez comme ça. Là, il y a les trois. On va l'ouvrir, qu'on va le mettre comme ça. On met une lentille ici. Si j'y arrive. Essayez de ne pas trop mettre vos doigts dessus, histoire de ne pas les salir. Bon, moi, elles sont déjà pleines de poussière. Bon, c'est pas grave pour le tutoriel, mais voilà. Évitez de salir les vôtres. Ensuite, vous le refermez comme ça. Et on va le mettre de côté. Voilà, on va essayer de ne pas y toucher. Ici. Ensuite, on va prendre cette partie-là. Alors, cette partie-là... ah oui, j'ai oublié. Vous avez tous les trous qui sont là. Vous ne les avez pas encore. Donc, que ce soit pour les lentilles, pour la partie pour les yeux, tous les trous, vous les détachez. Donc là, vous avez une partie de carton. Les parties de carton, genre ça, là. Ça, hop, vous les enlevez. Ça, ça, le trou là, les trous là, là, tous les trous que vous voyez. Les trous que vous voyez que j'ai fait, celui-là, 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 voilà. Donc vous voyez tous les trous que j'ai fait. Ensuite, tac, vous avez. On va faire ça comme ça, si je m'embrouille pas trop dans la manière de le faire. Donc ça se met dans ce sens comme ça. Ici. Vous allez, alors on va plutôt mettre comme ça, prendre, donc en fait les lunettes on les met pas de côté, désolé, on va prendre les trucs pour les lunettes, on va le mettre dans ce sens là, donc la partie où il y a le trou à l'intérieur, on le met du côté du trou là, tac, vous pliez ça comme ça, vous allez mettre ça. Les petites languettes ici et là, on va les mettre ici et là. Donc là, ça va être la partie pour le nez, ce qui donne ça. Ensuite, vous pliez autour comme ça se présente. Donc toutes les languettes, elles vont aller dans les trous, normalement. Voilà. Ensuite, on arrive ici. On a mis ça autour. Je vous montre. On a bien mis ça autour. Ensuite, on arrive de ce côté ici. Alors là, ce qu'il va falloir faire, c'est vous avez ce truc là qui dépasse. Vous le pliez vers l'intérieur. On va enlever les aimants qui sont là. Vous le pliez vers l'intérieur. Comme ceci. Voilà. La languette ici qui va aller dans celle de l'intérieur et qui ressort là. Ensuite, la languette ici dans le trou ici. Tac. Et le rabat
bon, bien sûr, la languette en bas, dans le trou en bas, et le rabat comme ça. Et ça donne ceci. Donc là, ce que vous pouvez faire, c'est prendre l'élastique que vous avez là. Et le mettre autour, comme ceci, pour faire tenir le petit rabat qu'on vient de mettre. Parce que sinon, ça tient pas et ça se déplie, c'est pas cool. Parce que sinon, vous allez devoir le remonter juste après. Donc, c'est pas cool du tout. Ensuite, donc, vous vérifiez bien que vous avez mis donc le trou que je vous ai montré tout à l'heure, donc il est à l'intérieur du côté que je vous ai dit. Le rabat qui fait là, enfin quand on l'a rabattu vers l'intérieur, ça permet d'avoir le grand trou à l'intérieur et le petit trou, le grand trou à l'extérieur et le petit trou à l'intérieur. Tac, je sais pas si vous voyez bien. Si je vous montre comme ça, là vous voyez bien le trou à l'intérieur. Voilà. Ensuite, dans le trou à l'intérieur, on va mettre un premier aimant s'il veut bien se détacher. Tac. Et sur l'intérieur, on va mettre l'autre aimant. Comme ça, ce qui fait que quand on va baisser cet aimant-là, ça va faire un clic sur l'écran. Et bah, lui, comme il y a l'aimant de l'autre côté, bah, il va revenir, quoi. Et on pourra refaire notre clic infiniment. Voilà. Ensuite, pour les scratchs, vous en mettez un ici, enfin un, vous le collez la moitié là et l'autre ici. Voilà, un ici, et puis l'autre scratch, vous mettez la moitié là et l'autre moitié là. Enfin, vous les détachez quoi, comme ils se présentaient. Et enfin, vérifiez bien que quand on le replie, ça tombe bien sur les scratchs. Et ensuite, on est bon, on a notre petit cardboard de chez Tinidi à 2,50€. Donc évidemment, celui-là c'est celui des Switch et Tinidil, donc il n'y a aucune indication pour le montage dans tout ce qui est dans le truc livré. Et pour le cardboard, l'officiel de Google, il y a plus d'indications sur les cartons pour pouvoir le monter plus facilement. En tout cas, celui-là, il n'y avait pas d'indication, j'ai pas mal galéré à le faire la première fois, donc là, je vous montre comment le faire. Là, ensuite, on a un petit truc sympa, vous avez plus qu'à mettre votre smartphone ici. Voilà, vous le placez. Ah bah, j'ai pas mis ça, excusez-moi, je n'ai pas mis ce truc-là, le truc pour le nez à l'intérieur. Hop, vous le mettez dans ce sens, hein. Comme ceci. Hop, vous avez les trous à l'intérieur qui sont faits pour. Voilà, un trou qui est, ça ressort par le haut, ça ressort par le bas, et ça ressort, enfin non, ça ressort pas, ça rentre dans le trou à l'intérieur. Voilà, celui de position que je vous avais mis, enfin dont je vous avais parlé au début. Ensuite, vous mettez votre smartphone ici, ça se replie, scratch. Vous le calez bien, enfin vous le placez bien pour que ça soit bien droit par rapport aux yeux. Bon là je pourrais pas vous en dire plus parce que moi j'ai pas tellement réussi à le mettre droit plus que ça. Et puis voilà, on a notre petit cardboard qui est prêt. Tout prêt, tout fini, il n'y a plus qu'à allumer le portable, installer les applications que vous voulez. Et puis voilà, en tout cas j'espère que vous aimez ce tutoriel, que ça vous a aidé, parce qu'il n'y a vraiment aucune indication dans les trucs qui sont livrés avec ce cardboard là. Et puis bah, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Allez, salut à tous!